Bon, simplement, je voulais vous dire. J'ai enfin compris comment ça marchait. Bon, simplement, mais vous savez que les manifestations que vous faites aujourd'hui ont mon soutien. Moyennant quoi, aujourd'hui. Voilà. Je sais que, et sans démagogie, vous savez que je pense que vos problèmes sont importants et énormes, surtout les jeunes, parce que c'est vous qui êtes concernés en premier dans l'avenir. Nous, voilà. Alors, ceci étant dit, ce soir, c'est peut-être quelque chose d'un peu particulier, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai entendu et écouté. Simplement, c'est un pont qui est dédié aux Angevins, à vos concitoyens, et il y a un spectacle pour eux parce qu'ils ont supporté des ennuis. Eh bien, d'accord. Non, c'est pas pour les médias. On vous voit pas, ben c'est pour qu'on voit. Non mais on vous a vu. On vous a vu, on vous a vu, on vous a vu. Donc je pense simplement que... 60 ans à ton plan, 60 ans à ton plan. D'accord. Ceci étant dit, si vous ne voulez pas que le spectacle ait lieu, il n'aura pas lieu. Et je ne pense pas que ce soit une manière astucieuse de convaincre de vos concitoyens de la justesse de vos causes. Je partage le sentiment que demain vous allez manifester. Vous pourrez le dire. Demain vous pourrez dire, après encore, il y aura des choses à faire. Le combat, je le pense, n'est pas terminé. Les décisions ne sont pas prises. Et de toute façon, ce n'est pas en embêtant le maire d'Angers qui s'en fout que vous arriverez à faire quelque chose de plus. Voilà. Acceptez-vous, s'il vous plaît. Acceptez-vous, que ceci étant dit, le spectacle ait lieu. Vous avez été dans les médias largement, et c'est très bien ainsi. Si vous ne voulez pas que le spectacle ait lieu, il n'aura pas lieu, ce n'est pas... Bien sûr que je signale que je manifeste depuis un certain temps pour ça, je ne sais pas si tu en veux autant. Voilà. Ceci étant dit... Est-ce que vous voulez que le spectacle ait lieu? Si le spectacle n'a pas lieu, ben tant pis. Bien. On annule le spectacle.